Ah, déjà, on peut voir qu'on a un Carpenter Safe. Oh, est-ce que vous voyez ce que je vois là-bas? On a potentiellement un deuxième Carpenter Safe. Carpenter. En plus, avec des minerais de palladium, carrément. Je fais le tour et je peux regarder au Cave Lock par derrière. Mec! Il y a encore un Carpenter Safe. Bien le bonjour à tous, c'est Infra et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Palladium V6. C'est vrai que j'aime beaucoup faire mon intro dans cette ferme parce qu'elle est vraiment très imposante, hein. Bon, du coup, on se retrouve dans cette ferme, mais au final, on va pas vraiment farmer dans cet épisode. Tout simplement, parce que ça fait environ une semaine, simplement, j'ai pas du tout pu me connecter sur Palladium, ce qui fait qu'on a pas mal de retard finalement par rapport aux autres. Niveau métier, faut avouer qu'on est level 13, level 11 et Hunter level 5. Donc on aura encore un petit peu de marge, mais vous inquiétez pas. Je profite un petit peu de cette vidéo tout simplement pour pouvoir farmer énormément hors caméra et puis préparer un petit peu bon, les métiers level 20, essayer d'obtenir des pépites d'endium, ce serait l'objectif. Et j'ai une très bonne nouvelle. Si je parle tout simplement dans le chat, voilà, on va mettre un petit coucou. Vous pouvez voir que j'ai enfin le grade youtubeur. On va pouvoir commencer à tryhard maintenant. Non, c'est pas du tout une excuse, hein. Mais du coup, un grand merci à vous, parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai le grade. Et un grand merci au staff et à Xenos qui m'ont finalement mis le grade. Ça va être vraiment plus pratique. Du coup les amis, pour cette vidéo, tout simplement, on est parti pour une petite série de pillages que je vous avais promis dans la dernière vidéo, mais bon, la vidéo était tellement longue qu'au final, c'était un petit peu compliqué de la rallonger encore. 35 minutes de vidéo quasiment, et vraiment un grand merci, parce que même si la vidéo a pas fait énormément de vues par rapport à toutes les autres vidéos, vous avez été extrêmement présents sur cette vidéo. Il y a plus de 25% des personnes qui ont regardé une demi-heure de vidéo, et ça fait super plaisir, vraiment un très grand merci à vous. Par contre, dans cette ferme, c'est vraiment impressionnant, je suis à 10 FPS. Oh, alors ça, c'est vraiment très intéressant. On a une base, enfin! On va se diriger un petit peu vers la base et tout simplement comment j'ai trouvé ce truc. À la base, j'ai juste vu des entités dans le sol. Et du coup, j'étais allé checker le mineshaft. Et en fait, en descendant, je vois d'un coup pop mon show FPS qui passe de 0 à 7. Et effectivement, il y avait une base. Vous avez grave plaisir. Ok, du coup, on est juste au-dessus. On va descendre et... Oh là là, ça fait plaisir! Enfin, un vrai pillage! Premier vrai pillage que je trouve moi-même. Ça fait grave plaisir, je suis super content. Ah, déjà, on peut voir qu'on a un Carpenter Safe. Ça, je l'ai vu, tout simplement. Dans le show FPS de l'autre côté. Du coup, ouais, on a déjà de bonnes nouvelles déjà. Alors, premier coffre, on a de la grâce, pas très intéressant. Deuxième coffre, rien non plus. Juste une. On a une Carpenter's Door. Je suppose qu'on peut changer la texture. Ouais, c'est ça, bon. Ouais. Je sais pas si c'est très très intéressant. Et du coup, niveau drawer, on a 60 quartz. Ouais, un tout petit peu de charbon. Ah ouais, par contre, en fait, niveau... ouais, les drawers, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien dans les drawers, en fait. C'est nul. C'est triste, un peu. On trouve une base et il n'y a rien dedans. Bon, du coup, ici, on a un Carpenter's Block et ça se voit assez facilement quand on regarde de l'autre côté. Ah, d'ailleurs, on a un spawner là-bas. Du coup, j'ai juste récupéré les bookshelves et puis après, je vais chercher un petit peu de dynamite. Du coup, c'est parti. Je vais faire péter une petite dynamite. Et attention, attention. Oh, je vois déjà du palladium. Oh, ça fait plaisir. Oh, c'est cool. Ok, il y a pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un morceau de grinder, on a un fendium, on a quelques blocs de titane, d'améthyste, du diamant, du fer, du cuir, et on a 5 palladium surtout. Des bottes, un hammer. Bon, il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément très très utiles. Mais franchement, ça fait plaisir, quoi. On a quelques minerais. Yes! Oh, est-ce que vous voyez ce que je vois là-bas? On a potentiellement un deuxième Carpenter Safe. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché dans le sol. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, du coup, c'est juste là. Eh ouais, on a bel et bien un Carpenter Safe, les amis. Ah d'accord, il y avait une Carpenter's Watch dessus, je sais pas ce que c'est. Du coup, c'est parti, petite dynamite, attention. Et ouais, ok, je vois pas grand-chose de très intéressant là-dedans. Un peu de diams, tout petit peu d'améthyste, et sinon un soft diamant, ouais, c'est pas incroyable. Quoique, il y a 16 blocs de fer et 2 stacks d'opsy. Bon, du coup, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait d'autres Carpenter Safe. En tout cas, le pillage aurait été pas si mal que ça. Honnêtement, on a eu du palladium, mais ça fait plaisir pour un pillage. Je vais reboucher un petit peu sa décoration, et puis, désolé à toi. Bon, les amis, on se retrouve en compagnie de Fifo, qui a trouvé quelque chose d'apparemment très étrange. Bon, il y a de fortes chances que ce soit une base, parce que c'est pas du tout naturel. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pourcentage de show FPS. Donc, écoutez, effectivement, on a une petite base, ça fait plaisir. Alors, on va juste remonter un petit peu. Et nous y sommes. Ok, on a une petite base. Alors, on a un petit mur de four et de table de craft. On a un petit coffre ici. Qu'est-ce qu'il y a?
Ok, c'est pas mal du tout. C'est franchement pas mal. Déjà, tu vois, 3 compressettes d'améthyste, ça coûte très très cher. C'est grave cool. On a aussi une micro-ferme ici avec un peu de canne à sucre, ok, il n'y a pas grand chose. Du coup, on a pas mal d'améthyste, il y a beaucoup de détails en titane, il y a un petit peu de stuff, il y a une table d'enchant. Alors, on a de la dirt et de l'acacia wood. Alors, combien on a? Il y a 320 dirt et 200 bûches, ok, c'est pas ouf ouf ça pour le coup. Et 15 blocs de titane aussi, j'avais pas vu. On a des upgrades, un petit slimy helmet, de l'if pas ouf. Et ouais, c'est à peu près tout dans le pillage, c'est vraiment pas mal pour le coup. Alors, est-ce qu'on a des choses dans les fours aussi? De la stone. Non, il n'y a pas grand chose. Du coup, on a 3 améthystes, un petit peu d'upgrade, quelques outils à droite à gauche. Et franchement, bah, c'est plutôt cool, ça fait quand même un bon pillage, je pense. J'ai aussi récupéré les drawers en soi. Ok, on se retrouve dans un petit spawner qui est clay, mais vraiment, il y aurait aussi un coffre. Quelque part, j'ai cru voir de la canne à sucre derrière, je suis pas sûr. Ouais, il y a une petite ferme à canne à sucre là-bas. Ok, what? C'est quoi ce système de redstone et tout? What? Ok, c'est assez intriguant. Bon, du coup, je vais juste devoir aller chercher de la dina. Donc, pour de la dina, on va avoir besoin de simplement de TNT. Normalement, dans mes coffres, quelque part, j'ai des TNT, faut que je retrouve ça. Voilà, nickel, on a 9 TNT ici, je vais en avoir d'autres ici, voilà. Il va aussi nous falloir du diamant. Et enfin, des cordes. Donc, on a 10 cordes ici, c'est pas incroyable. Par contre, je me demande, vu que j'ai beaucoup de laine, est-ce que par hasard, on peut transformer simplement la laine en ficelle simplement avec cet item? Donc, c'est le Compacting Drawer. Donc pour l'instant j'ai énormément de blocs de quartz, donc on va tout récupérer et mettre ça dans un coffre juste le temps que je fasse mon trade. Donc est-ce que ça marche si je mets... Ah non, la laine ça marche pas ici. Parce que pour le coup si on met de la corde... Ah non, ça marche pas non plus. En fait vu que le compacting drawer permet de crafter automatiquement les items quand on les met dans le bloc, vu qu'avec 4 cordes on peut crafter de la laine, je me demandais si ça pouvait faire option de décrafter aussi, c'est-à-dire transformer notre laine en corde, mais du coup pas du tout. Au pire, il y en a au market. Par contre ça coûte cher les cordes au market. Waouh. On va mettre simplement notre corde ici et on va se crafter des golden strings. Et du coup normalement si on se craft ceci... Comme ceci, c'est censé marcher. Ah non, ok, c'est comme ça le craft. Du coup, on a 36 dynamites. Je pense que ce sera largement suffisant. On va retourner tout simplement sur Fantasia. Et du coup, j'ai quelques petites TNT. Donc le piège était juste là. Et bah écoutez, c'est parti. Hein. Et voilà, une seule dynamite suffisait pour le coup. Alors on va juste mettre une autre dynamite ici. On va le mettre ici. Ah, il y a un coffre ici, ça c'est nice pour le coup. Et voilà, ok, ça y est. Donc on est dans la base, oula, il y a pas mal de trucs. Ok, ok, on a pas mal de cobble, on a des outils, il y a pas... Qu'est-ce qu'il y a? La laine, j'ai plein de graines. Ok, il y a beaucoup de stuff random, hein, pour le coup. J'arrive quand même à avoir 2-3 trucs intéressants. Des sagnes, un peu de fer. Il y a un anglais d'or aussi. Et du coup, le mec avait ici une petite ferme. Ok, ça c'est intéressant, il y avait un étage ici où il y avait rien du tout. Écoutez, pour tout le stuff, je pense que c'est bon. On va essayer de voir un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement de la bonne mille là-dedans? Donc on va claquer une petite dynamite. On va essayer de la bonne mille. Eh ouais, il y a de la bonne mille. Bah écoutez, c'est plutôt nice. En fait, c'était à ça que servait tout simplement la cloque derrière, enfin, je suppose. Bah écoutez, du coup, c'est notre premier pillage claim. Et deuxième vrai pillage, j'ai envie de dire. Parce que bon, les autres pillages, ils étaient pas incroyables. Merci Fifou. Et du coup, voilà le résultat des deux pillages. Bon, à part les minerais ici qui étaient à lui, tout simplement. On a beaucoup de stuff titane. Il y a du coup deux drawers avec un petit peu de bois et un petit peu de dirt. Et surtout, dans les lots intéressants, on avait tout simplement tout ceci, tous ces minerais. Sinon, il y a quelques plumes, il y a des os. Bon, c'est pas incroyable non plus comme pillage. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir des pillages avec au moins un peu de stuff. Donc, bah écoutez, c'est cool. Merci encore Fifou de m'avoir TP à ces deux pillages. Ah, il avait pas tout posé. Apparemment, il y avait un peu de fer aussi. Ok, ok. Juste histoire de dire, on va prendre un compresseur d'améthyste et 8 blocs de titane. En tout cas, merci beaucoup Fifou. Bon, les amis, pour vous resituer un petit peu dans le contexte, le 18 juin, donc il y a environ 2 semaines, juste avant que Palladium fasse une grosse maintenance, un abonné, Mathias Ticotte, salut un frat, tu me parais tellement désespéré que je te fais don complet de ce petit pillage claim, c'est claim par la Blood Army, et on a un joli petit screen, qui petit pillage claim, franchement, avait l'air vraiment nice, voir qu'il y avait une belle petite décoration au sol, beaucoup de fours, et un four en Palladium, et beaucoup de coffres. Donc, il m'a donné les coordonnées du screen, voilà, cadeau, c'est sur Oceania. Du coup, je me suis dépêché de faire le pillage. J'ai dû me déplacer 25, 30 000 blocs, je crois. C'était vraiment long. Et le truc, c'est que le lendemain, il y avait une grosse maintenance. Du coup, il fallait que je me dépêche un petit peu pour faire le pillage. Du coup, le fait est qu'on a bel et bien pillé cette base. Par contre, au moment où j'ai recordé ça, il était quand même un petit peu 2h du matin. Donc, forcément, ma voix était pas très fluide, pas très dynamique. Et bah, j'étais pas en train de parler très fort non plus. Et pour que le pillage soit quand même un minimum fun et intéressant à regarder, j'ai tout simplement refait ma voix par-dessus. Donc, j'ai redit exactement la même chose que j'ai dit dans la vidéo. Donc, vous vous étonnez pas si c'est un petit peu moins naturel. Mais bah, j'espère que ce sera plus dynamique quand même que ce qu'il y a eu. Donc écoutez, c'est parti pour ce pillage. Et du coup, un grand merci à Mathias Ticotte pour ce pillage. C'est vers là, je crois. Ouais, parfait.
C'est injuste là. Pour le contexte, en gros, The Epic, du coup, qui est dans ma faction, la Void Edit, a marché, du coup, les 5000 derniers blocs. Et du coup, il va être présent pour le piège. Bloodarmien, y a personne de connecté. Ah ouais, ça claque. Ah, c'est nice ça, ça fait plaisir. Attends, j'ai l'impression qu'on a même pas besoin de Dina en fait. Attends, je cherchais la dynamite, mais je pense pas qu'on en ait besoin. Et là, on va arriver au-dessus de leur base, normalement. Ouais, c'est ça. On est au-dessus. Ah ouais. Ok, bah, je balance une Dina, du coup. Allez, encore une Dina. Parfait. Ah, ça y est, on y est. Oh putain, mec. Pouah, c'est stylé. Ça fait plaisir, un pillage claim. Y'a plein de trucs. Oh, y'a pas mal de... Oh, regarde, Carpenter. Ah ouais, en plus avec des minerais de palladium, carrément. Ok, je vois pas vraiment de livre intéressant, pour le coup. Un Sharpness 2. Attends, attends, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu peux être content niveau mine. Mec, genre, what? J'ai 2000 forts. What the fuck? Là, t'as un peu de minerai de diamant. 3000 fer. Ils ont un peu de momine, du charbon, de la soul sang, ils ont quelques graines. 8000 sable, quand même. 3600 et 5000 livres. Oh, yeah. Mais tellement bien, ils ont un four en pala et tout. Allez, go ouvrir les coffres claim, du coup. Attention. Ok, ouais, c'est un peu de la merde. Bah, ici, c'est pareil. ouais, y'a rien. Y'a rien du tout, hein, dans les coffres, par contre. Y'a rien du tout. Ici, ok, on a 53 minadiums, ça limite. Bah, dans les drawers, ça va, y'a quand même pas mal. Ah ouais, c'est clair, dans les drawers, y'a vraiment la masse. Moi, je prends ce qui t'intéresse pas. Hop, je ramasse derrière. Ah, ils ont des poissons. Pourquoi ils ont des poissons? Ouais, y'a quelques minerais. Ah si, ouais, ils ont un stuff travel ici. Ouais, bah, je crois que pour les coffres... Ouais, ça me fait mal de piller leur base, quand même, parce qu'elle est vraiment stylée, et bah, genre, ils sont en train de la construire, quoi, donc... Bah, j'avoue, c'est quand même clean, franchement. Et le coffre en bois et le four en pâle. Ok, bon, on va voir le coffre en bois, déjà. Attention, attention. Et, ok, ouais, on a juste des... Y'a que les blocs de Carpenter, pour le coup. Ah, ça va, t'es gentil avec eux. Ils ont 23 000 de cobble, tout à fait. Putain, ouais, ils ont pas mal de minerais. Ok, bah je vais récupérer tous les minerais du coup, et après on passe au Carpenter Safe. Ils ont vraiment la blindée de minerais, c'est abusé. Je sais pas vraiment ce qu'ils font avec 6000 de redstone, mais bon. Mec, ils ont tellement de minerais, de fuck. Est-ce que c'est la Soul Sand, toi? Ouais, mais ça se revend quasiment rien, la Soul Sand, maintenant. Bah, moi, si tu la prends pas, je vais la prendre pour faire une farm à Virginizer. Putain, ce pillage! Et franchement, ça fait plaisir, on a même pas ouvert les Carpenters en plus. Par contre, l'abonné, là, Mathis Ticot, il m'aimait tellement bien. Putain, il a mis un minerai de pala, un minerai de fendium, du coup, t'as un minerai gratuit. Ouais, c'est vrai. Mais on le drop à chaque fois, le minerai, au final, le bloc. Encore 1800 fer. C'est vraiment des full inventaires de fer, c'est nice. Putain, ils ont 9000 de charbon, presque. Mec, 6 stacks de blocs de fer. Est-ce qu'on ne peut pas, du coup, récupérer directement un packing tape? Attends, est-ce que c'est claim? Mec, c'est pas claim ici. En fait, on a pu rentrer directement ici sans dîner, en fait. J'ai carrément posé un drawer et puis déplacé tous les livres dedans. Ce sera carrément plus rapide. Il y a un totem plein partout. C'est plus rapide. Voilà, on a laissé 145. Non, non, tu peux laisser les autres. On n'est pas obligé de tout prendre. Est-ce qu'il y a du packing tape? Il y a du packing tape. Petit drawer nice. Ok, il reste le sable sinon. Ok, je vais poser tout ce que j'ai là et puis on ouvre les Carpenters. En vrai, avec tous les minerais qu'ils avaient, il y a moyen qu'on ait vraiment un excellent stuff dans les Carpenters. Il n'y a pas de clear lag, t'es prêt? Vas-y, let's go. Oh, oh putain! Mec! Attends, je ramasse au cas où c'est clear, t'as compris. Tout ça, c'est pourri? Ouais, ouais, j'ai tout ce qui est bien sur moi. Ok, t'as un home ou pas? Ouais, est-ce que t'as un truc pour stocker ou... Ah ouais, putain, nice. Ah ouais, putain, ça fait plaisir. Nice. Bah tiens, du coup, je te donne le pala et puis je vais récupérer tout le reste. Alors, j'ai récupéré un plastron P3. Il y a beaucoup de minerais. Ouais, il y a un petit peu de stuff en titane. La déco est vraiment propre, hein, pour le coup. Ah, franchement, leur base, elle était sympa. Ok. Il reste peut-être juste le four en pala. Oh, là, nickel. Je sais pas s'il y avait des choses dans les fours. En fait, c'est trop bizarre la façon dont ils ont claim. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ok. Bah ouais, en fait, on pouvait passer par derrière dans tous les cas. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des Carpenter safe cachés. Mais justement, j'ai regardé et... je pense pas quoi.
T'as pas l'impression? Bah je fais le tour et je vais pour regarder au Kevlog par derrière. Mec! Quoi? Mec, j'en ai trouvé un! Attends. Si, viens là, viens là. J'ai trouvé un Carpenter safe caché. Check ça. Allez, babouin. Allez, fais plaisir. Putain, je l'avais même pas vu alors j'ai checké tout à l'heure. Il est où? Il est juste en dessous. Ah, on y a carrément accès en fait. Hein. Et non, bah, c'est un autre joueur qui l'a posé. Ouais, mais je veux dire, y accéder à la Dina. Ah ouais. Ok. Oui, il y a rien. Ah si, il y a un drawer. C'est vrai? Ouais, il y a un drawer compacté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? 664. Ok, en vrai, c'est toujours ça. T'as un packing tape? Non. Je suis sûr, forcément, il y a d'autres coffres cachés, du coup. Hein. Ouais, c'est ce que je... Ok, il y a un packing tape ici. De toute façon, il y a d'autres trucs là-bas, mais je sais pas si c'est vrai. Ah si, il y avait des kevlock aussi, parce que j'en ai récupéré. Il y a rien, du coup. Ok, non, c'est juste stone slab. Bizarre. D'autres, on est en train de miner partout autour. Et... En vrai, ça va, on n'a pas abîmé la déco et tout. Hein. Et là, il y a carrément un Carpenter Safe, mais je l'avais pas vu sur le moment. Mais en fait, on pouvait grave accéder à leur base. Mec. Il y a encore un Carpenter Safe. Mais si. Je te crois pas. Tu veux parier combien? Je sais pas, attends, vas-y, let's go, moi. Bah non, vas-y, parie. Non, c'est bon. MDR. C'est quoi ça, à ton avis? Ah ouais. J'ai full inventaire, j'arrive. Mec, il y en a plein de cachés. Mais ce pillage, il est dingue. Il y a pas de grinder, il y a pas beaucoup de pala, mais il y a juste du stuff, mais partout. Bah vas-y, let's go, du coup, hein. Oh, mec! Il y a du pala et tout, mais il y a du findium. Il y a du findium, fais gaffe. Ah, j'ai pas regardé les clear lag, effectivement. Il y avait 8 findium et 3 minerais de pala. Mais j'ai juste récupéré la pomme pour le PNJ. Sinon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre d'intéressant. Tu penses qu'il y en a encore? En vrai, il y a moyen qu'il y en ait d'autres, hein. Ça s'arrête jamais, il y en a toujours. T'en as pas encore, hein. Ah, je sais pas encore. Ah, il y avait une pioche en pala FI2, un stuff de frala, 8 findium et du coup 3 minerais de pala. Tu peux en récupérer un peu du stuff quand même. Hein. Tranquille. Moi de base, j'ai juste pour regarder. Oui, il y a grave moyen, il y en a d'autres. Hein. C'est possible, mais bon, à mon avis. Eh, on sait pas. Hein. En vrai, je pense pas, mais il y a moyen. En vrai, ils en ont peut-être caché dans la déco, mais j'ai pas envie de péter leur déco. Donc. Merde, j'ai pesé de la dino au lieu de peser des kevlock. J'ai dit qu'il y a tout leur déco. Il y a un truc avec de l'opsy un peu bizarre au centre. Je sais pas. Non, j'ai juste l'impression que c'est l'opsy normal. Eh bah écoute, c'est la fin. C'était vraiment un excellent pillage. T'as combien de blocs de fer, tu me dis? 6 stacks. Putain, bien. Mais ça va aller dans la faction, donc clairement, bah voilà quoi. Bah revends-les. Bah le fer, ça sort vraiment quasiment pas. 2.5, c'est toujours ça. Juste leur laisser un bloc de pala, histoire de dire. Est-ce que t'es rentable? Oh, oui, bah oui, c'est vrai, t'es rentable. Bah oui, c'est rentable quand même. Même juste le plaisir d'avoir pillé une base, parce que là quand même... Ah, ça fait plaisir. Ça, par contre, ça me fait presque mal pour eux. Sur la base, c'est vraiment hyper stylé, et ils l'ont pas fini. C'est triste. Et du coup, bah encore une fois, un grand merci, mec. Ça fait super plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est sûr que la ferme d'intro est beaucoup plus grande que celle d'outro, mais bon. Niveau métier, j'ai bien avancé, j'ai continué de bien avancer pour le prochain épisode. Donc bah, je suis désolé pour cette vidéo, il n'y a pas eu tout simplement de rush de métier, mais il y en aura deux fois plus dans la prochaine. Sinon, encore une fois, merci Fifou et merci Mathias pour vos pillages. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit like, abonnement, Discord en description. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Infra. Salutations.